virage. Thank you.
sur les trajets. Pour la présentation tactique. Cette veille permanente interdit toute attaque visant les intérêts vitaux de la France. La mission complémentaire de cet appareil est l'assaut conventionnel comme pendant les opérations Dibi. Principalement, c'est environ 1000 km/h. Regardez bien, ça arrive normalement sur la droite, normalement. Alors que le Hawkeye est en train de démarrer ses moteurs. Voilà les Mirage 2000. De tir, voilà nos deux 2000 qui arrivent là-bas par la gauche. C'est parti pour la passe de tir. Regardez l'attaque roquette, comme si on tirait vers nous là. Voilà, alors on délivre les roquettes maintenant et on va cabrer les appareils. On va les faire dégager. Regardez toute la puissance des Mirage 2000 et MK3. Allez, on a tiré les roquettes, on dégage maintenant. Très fort bien sûr à nos troupes qui sont engagées en Afghanistan. Je vous rappelle qu'il y a eu je crois plus de 75 morts en Afghanistan des troupes au sol. Et bien ces troupes au sol en général et bien sont protégées notamment par nos Mirage 2000 qui font un travail formidable aux côtés des Rafales en Afghanistan, et il ne faut pas l'oublier. Voilà nos Mirage 2000 qui reviennent face à nous pour faire ensuite le break à droite. Regardez, c'est parti. Passer également pour vous saluer. Alors je vous demande, lorsqu'ils vont passer pour saluer, vous verrez c'est très simple, ils vont battre des ailes. Lorsqu'ils battront des ailes, ben, je vous demande d'agiter les casquettes, les bras bien sûr, pour saluer nos amis des Mirage 2000.
Voilà, on laisse descendre le nez, on prend un peu de vitesse, il y a Pika qui arrive là avec Katel, ils nous ont un délan magnifique extrême au parking. Voilà les deux Mylène qui se présentent, ils vont venir vous saluer certainement. Alors on agite les bras, les casquettes bien sûr, lorsqu'ils vont battre des ailes. Voilà, on a sorti le train d'atterrissage, on rentre le train, passage des 2000. Des armées françaises, soit près de 30 sorties chaque jour pendant 5 mois. Et environ un millier d'objectifs ont été attaqués par les avions français au-dessus de la Libye. Et on leur tire un grand coup de chapeau à nos pilotes des armées françaises, que ce soit l'armée de terre ou la marine nationale, sans oublier l'aviation légère de l'armée de terre. Voilà les 2000 qui se représentent certainement là-bas sur la droite. Le break. On tire sa cadre, on tourne à droite ensuite. Et au 18 août 2011, eh bien 44 des 234 avions de cette armée de l'air étaient déployés à l'étranger sur 7 bases différentes. 19% sont ainsi engagés aux amis de la Marine nationale, locale de la flottille 4F. Let's go.